Bonjour, nous sommes bien à la Fashion Movie Style TV. Et à côté de moi, j'ai la grande créatrice, la grande dame, j'ai envie de dire, Myriam Larrière, qui a eu cette belle initiative d'organiser la Fashion Glam Couture de Lyon, de Annecy. Et qu'est-ce que tu nous réserves encore? Bonjour Myriam. Bonjour Koudia, plein de choses. Paris notamment, au mois d'octobre. Annecy de nouveau sur 4 jours au mois de novembre. Et une surprise au mois de décembre. Ah, ça promet, ça promet. Alors, c'est quoi l'initiative aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui avec cet événement? Alors en fait, au niveau de Fashion Glam Couture, il y a différents créateurs qui participent à différents de mes événements. Après, il y a des nouveaux créateurs sur l'événement. Donc moi, le but de l'association Créateurs, Défilés, Stylistes et Mode, c'est vraiment de promouvoir les créateurs par le biais des médias, leur permettre aussi d'avoir une visibilité et aussi de faire des ventes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va y avoir 400 VIP au sein de l'hôtel Best Western. Et c'est des clients invités de l'établissement. Donc voilà. Donc je remercie vraiment Madame Bernard et Madame De Fourny pour ce privilège au sein, pour notre association, de soutenir l'association et la cause des jeunes créateurs en France. Et puis aussi à toute l'équipe de mannequins, de staff qui est venue de Paris, de Bretagne, du Sud, de Besançon, où il y a aussi des Lyonnais quand même. Et du coup, voilà, tout le monde s'est déplacé, une grosse équipe de médias présente sur l'événement. Enfin voilà, ça va être une très belle soirée. D'accord. Et nous, on veut savoir, est-ce qu'en fait, c'est une première édition qu'il faut continuer ou bien c'est juste un événement exceptionnel? Alors non, en fait, c'est une édition que je compte réitérer chaque année. À la même période, et j'avais déjà réalisé un événement que j'avais organisé il y a de ça 4 ans dans cet établissement. Donc comme ça fait un peu plus de 5 ans que j'organise des défilés de mode, du coup voilà, c'est le but de le refaire l'année prochaine, si Madame Bernard est d'accord. En tout cas, je ne prends pas part, hein, mais je sais que ça commence bien et ça va très bien terminer parce que l'organisation est nickel. Alors, je dirige cet hôtel qui a 117 chambres et qui se trouve dans le magnifique quartier de la Confluence. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, comme on le fait une fois par an, une manifestation autre qui n'a rien à voir avec notre métier hôtelier. Et on a le plaisir d'accueillir Myriam Larrière qu'on a connue l'année dernière. Et voilà, notre lieu s'y prête, puisqu'effectivement, nous avons des grandes terrasses et un lieu magique. Voilà, le lieu s'y prête. On est très heureux. Je vous présente aussi Madame Bernard, qui est donc propriétaire des lieux et qui a validé tout de suite ce bel événement. Et on en est ravis. On verra tout à l'heure, mais je suis sûre qu'on va arriver sur une chose extraordinaire. Bonjour Madame Bernard. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'endroit? C'est magnifique en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez que je peux... Ah bah, t'as tout dit, je suppose. Voilà, j'ai tout dit. J'ai dit que c'était merveilleux, alors il n'y a pas d'autre mot. Quelque chose, si tu veux. Au début, c'était un parking ouvert à tout le monde. Et l'emplacement était tellement magique pour moi que j'ai voulu en faire quelque chose, voilà, pour des manifestations intéressantes et tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vous. Et donc, vous organisez souvent des défilés de mode en dehors de l'événement de Myriam ou bien... C'est la première fois qu'on fait un beau défilé comme ça. Et j'espère qu'on continuera parce que c'est vraiment magique. Enfin, pour moi. Voilà. Pour nous. Pour nous aussi. Alors, quels sont tes projets? Quels sont mes projets? De réitérer tous les événements qu'il y a eu cette année, sur l'année 2016. Et puis déjà d'augmenter. J'ai pas mal de projets. Je sors aussi un magazine qui va s'appeler Fashion Glam Couture, mais là qui est mis spécialement dans les établissements 4 et 5 étoiles. Donc c'est pas un magazine qui sera mis en vente, et du coup ce sera pour permettre aux créateurs aussi de encore promouvoir leur marque. C'est généreux. On peut pas parler de Myriam Larrière en tant qu'organisatrice d'événements sans bien sûr parler de la marque. Oui. Tu peux nous en parler? C'est vrai que là, bon, j'ai ma marque, je le fais par passion. Je ne le fais pas dans la même démarche que les créateurs qui, eux, c'est leur métier, ne font que ça. Ma collection est dédiée en hommage à ma grand-mère, donc c'est la collection qui s'appelle Angel L. Je présente quelques pièces ce soir, et puis par la suite, je vais arrêter complètement de présenter ma marque et me consacrer entièrement à l'organisation. Voilà, par choix. Bah, merci. En même temps, je tiens à préciser que cette sublime robe que je porte, elle est de Myriam Larrière, comme vous le voyez très bien, qui sublime les femmes. Bah, Myriam continue à nous sublimer et continue aussi à aider surtout les créateurs parce que je crois qu'ils en ont besoin.
les créateurs pour participer à des événements, pouvoir surtout vendre, c'est pas du tout évident. C'est ce qu'il y a de plus important, la vente, parce que en fait, la visibilité médiatique, c'est bien. Un événement où il y a du monde, c'est bien. Mais un événement où il y a du monde et que les gens ont du pouvoir d'achat, c'est encore mieux. Je veux dire, la mode, elle est accessible à tout le monde. Mais après, s'il y a des gens qui se disent « Waouh, c'est beau, mais je ne peux pas me l'offrir », c'est quand même un problème. Donc, le créateur a besoin de vendre pour pouvoir continuer. Et là, ce soir, j'ai aussi deux boutiques qui viennent voir les créateurs, justement, pour peut-être commercialiser leur marque. D'accord, donc, c'est des boutiques qui viennent pour peut-être proposer des points de vente aux créateurs. Voilà, c'est ça. Donc, j'essaye en fait de me poser toutes les questions que je peux me poser en tant que créatrice. C'est comment vendre la marque des créateurs ? Parce que je pense que chacun a son style, mais on trouve tous, on est tous différents, donc on n'aime pas forcément les mêmes choses. Donc maintenant, il faut juste avoir le client adapté en face. Voilà, tout simplement. Vous l'avez compris ? Les clients adaptés pour, je ne sais pas, le dernier mot, Myriam, c'est quoi ? Bah, j'espère qu'on va passer une super soirée et je suis ravie que Fashion Movie Production Style et TV soit ici ce soir. Merci beaucoup, Jean. Bah, merci à toi. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Merci.